pas de perche dans la déambulation sur l'arc et dans les tribunes. On se colle pas trop, on reste à distance. Mais là, de toute façon, la descente, elle est ici. La dernière fois qu'on a eu une perche, il a failli borner le ministre. Qui va se mettre par ici. Oh non. Voilà. Là-bas. Ah, voilà. Il va me précéder vers le drapeau. Voilà. Tu veux pas arriver ? En centimètres, c'est tout. Je ne vous en dis pas de reculer un petit poil, parce qu'après on risque d'avoir des autorités qui vont être installées et on a le ministre qui va venir là, donc que la voiture leur roule pas dessus et qu'ils vous roulent pas dessus non plus.
Stéphane t'a dit, c'est ça. Bah, c'est ce que j'ai demandé, oui. Évidemment.
une fois la dépose effectuée, mettez-vous sur le trottoir, parce que la VIP, elle doit gicler. Voilà. Il y a juste deux modules, c'est tout. Il y a la VIP et la S2. Il faut qu'elle passe là. Il faut que lui, juste un peu... Non, ça passe. Ça passe Ouais, ça passe, mais... Il n'y a que la VIP.
Thank you.
leur hostilité, la force de sacrifice d'un peuple pour ses idéaux. Cette flamme, toujours, accompagne nos jours et perce nos nuits. Elle veille à l'ossuaire de Douaumont, dans le silence du cloître, 130 000 autres soldats inconnus. Elle réchauffe les plaines du Nord, dans la lanterne des morts de Notre-Dame de Lorette. Elle brille, jaillit des braises ardentes de la résistance, de l'île de Sein, dans la nécropole du Mont Valérien, où dorment les sacrifiés de la France libre. Elle se dresse au sommet du Mont Mouché, au cœur des maquis de la Margeride. Elle brûle dans le cœur des soldats de la France, qui vivent pour la patrie et la République, et qui parfois en meurent, cette année encore. Et nous pensons à leurs familles, à leurs proches, dont certains sont là, au milieu de nous. La nation n'oublie pas, car c'est bien de toute cette histoire que nous venons. C'est elle qui nous a fait, qui nous tient et nous oblige. Le 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice de la Grande Guerre, est désormais le jour de tous les morts pour la France. Le soldat inconnu, emblème de ceux de 14, devient dès lors le rappel de l'égale valeur de toute vie donnée pour la France à toutes les générations. De lui, nous ne connaissons rien et nous savons tout. Son image est faite de tous nos visages. Sa voix a le timbre d'un peuple. Son anonymat porte en lui des millions de noms. L'inconnu est tous les soldats de la France. Il est de tous les horizons, de la métropole et de nos outre-mer, du Maghreb et d'Afrique, des Caraïbes au Pacifique. Il est de tous les métiers, instituteurs et paysans, normaliens et médecins, curés et ouvriers. Il est de toutes les convictions, croyants et francs-maçons, agnostiques et libres penseurs, protestants et musulmans, catholiques et juifs. L'inconnu est cette résistance, cette certaine idée de la France que nous chérissons. Et en tombant pour elle, il l'a relevée. Et il nous l'a léguée. Avec un devoir d'unité, de dépassement et de bravoure. En tombant pour cette terre charnelle et spirituelle qu'est le sol de France, puis en étant enterré ici, le soldat inconnu signifie cette fraternité d'armes, de deuil et d'espérance. Et la flamme sur sa tombe, depuis 100 ans, ne s'est jamais éteinte, gardée par les commissaires de la flamme de jour comme de nuit. Et elle ne s'éteindra jamais. À nos morts qui ont fait la France et aux vivants qui la transmettront. Vive la République, vive la France.